parti pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Comme vous le savez, l'école c'est terminé, c'est les grandes vacances d'été. Sauf que nous, avec Jean-Fils, on est bloqué à l'intérieur de la plus grande école de Fortnite. Et donc aujourd'hui, notre objectif, ça va être de s'échapper. 3, 2, 1, c'est parti Kefko. J'espère qu'on va réussir à s'échapper de cette école. Cette école, on a été ici pendant un an, frérot, j'en peux plus. J'avoue que là, j'en ai clairement marre. On est dans une petite salle de classe et on doit faire des mathématiques. J'espère que t'es super fort, Jean-Fils, parce que là, 5 plus 9, ça donne combien? 5 plus 9, ça fait 59. Vas-y, l'éclater, les gars. Ça donne bien évidemment 14. Et on va devoir s'échapper. Et je pense qu'on doit directement mettre le code juste ici. Abum. Oh, let's go. Bien joué, niveau 1 réussi, Kefko. On a 30 niveaux dans cet escape room. Est-ce que tu penses qu'on va réussir ou non? Ah ouais, il y en a 30. Bah, j'espère qu'on va réussir. Mais sinon, on va rester bloqué à l'intérieur de cette école jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à ce qu'on soit super vieux. Ah, moi, j'ai pas envie de rester ici. J'en ai marre de l'école. Je déteste ça. Oh, j'ai trouvé quelque chose, Kefko. T'as trouvé un truc? Oh, comment t'as fait? Un levier juste ici. Oh là 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 là. Eh, franchement, de toute façon, nous, on est les pros des escape games, Jean-Fils. Donc, je pense qu'une école, on va s'y échapper en à peu près 2 minutes. Ok, là, on est dans les toilettes. Il y a carrément des douches. Heureusement, il n'y avait pas quelqu'un qui était en train de se doucher. J'avoue que moi, je suis en train de prendre ma petite douche tranquillement. Pendant que toi, tu es en train de chercher comment s'échapper. Et pendant qu'il cherche, les gars, vous me mettez ce grand pouce bleu. Vous abonnez à la chaîne. Vous me dites dans les commentaires est-ce que vous aimez bien l'école ou pas. Et bien sûr, le code créateur PGE dans la boutique. Attends, Kefko, je vais sûrement regarder à l'intérieur des toilettes. Est-ce qu'il y a quelque chose, oui ou non? Oh, j'ai trouvé quelque chose! Ouais, c'est sûr, il y a moyen de s'échapper. Oh, pistolet transformateur! Attends, j'en ai pas, moi! Attends, regarde, je vais pouvoir me transformer, je pense, en canard. Et où est-ce que je vais bien pouvoir aller avec ce petit canard, là? Vas-y, je vais m'échapper aussi. Moi, je vais me cacher dans les toilettes. Oh, on peut même pas passer en dessous. Il y a sûrement un moyen de sortir d'ici. Ah là! Let's go! À part ça, Jean-Fils, est-ce qu'on s'échappe ensemble ou c'est un petit peu la course, le premier qui arrive à s'échapper? Eh frérot, moi j'ai carrément envie de sortir de cette école le plus rapidement possible, donc on s'entraide, d'accord? Ouais, mais moi, en vrai, je t'avoue, j'ai juste envie d'y sortir rapidement. Maintenant que tu viennes avec moi ou pas, ça m'est un petit peu égal, hein. Ah, t'es sérieux, mec? Franchement, c'est pas cool. J'ai été ton camarade pendant un an dans la même classe. Franchement, c'est vraiment pas sympa. Mais tu sais quoi? Continue comme ça et je t'aide plus, hein, frérot. Ouais, j'ai bien l'impression que là, t'es passé au prochain niveau et tu m'as absolument rien dit. J'avoue, on est camarades de classe. Tu sais quoi, en général, entre camarades de classe, on est soudés. Donc, on va s'aider aujourd'hui. J'ai trouvé... Mais gros... Wesh! Wesh! T'as trouvé de la dynamite? Comment t'as fait? Je voulais casser le mur, t'inquiète, je voulais pas tirer dessus. Ah bah, t'as réussi. Merci, frérot, ça fait plaisir. Hey, mais dégage! Oh, wesh! Oh, oh. C'est un malade. Non, en plus, ça m'a bloqué. Oh là là. En quoi? Ça t'a bloqué? Les gars, regardez, il y a Kefko, il s'est bloqué tout seul. Non, mais franchement, c'est une dinguerie. T'abuses, Kefko. Vas-y, moi, je passe au niveau suivant et que ça saute. Ok, t'as de la chance, j'ai pas réussi à garder ma dynamite. Où est-ce qu'on est là? C'est encore une salle de maths, ça? Non, ça, c'est la salle d'informatique. Ah oui. Franchement, c'était ma salle préférée. C'est là-bas que j'apprenais à utiliser un ordinateur. Franchement, c'est ma salle préférée. Oh, ici, j'ai trouvé la PlayStation. Là, mais attends, on est dans une école de luxe. T'as vu ces écrans? Ils sont gigantesques. Et franchement, ils ont trop de chance. J'avoue, on a trop de chance, mais moi, je m'en fous, j'ai envie de profiter de mes grandes vacances, hein, frérot. J'avoue, mais attends, t'as vu le passage secret de fou furieux, là, que tu viens d'ouvrir ou pas? Genre, t'es passé attends, normal. Mais attends, mais il y a un escalier juste là, comment on fait pour y aller, là? C'est impossible. Il va sûrement falloir trouver quelque chose pour se faire éjecter, être un trampoline. Ok, là, j'ai trouvé quelque chose. Vas-y, Kefko, mets-toi là, je vais te jeter un truc sous tes pieds. Vas-y. Hop, 3, 2, 1, saute. Oh! Presque en vrai! Fallait sauter, Kefko! Ok, saute, vas-y! 3, 2, 1, saute! Oh! Et voilà, t'as vu ça, frère? Vas-y, moi je vais déjà chercher du coup la prochaine pièce. Comment s'échapper? Ah non, t'es déjà là. Bon. Attends, c'est sûrement ici dans un tableau. Ah ben ouais! Let's go! On le voyait venir à des kilomètres les tableaux. Ils n'arrivent plus à nous avoir comme ça pour les escape rooms. Est-ce qu'on doit aller ici? Ok, c'est bon, j'ai trouvé ici. Il y a un tuyau qui nous permet d'aller à la sortie. Ah ben non. Non, c'est pas ici. Non, là, je me suis bloqué, frère. T'es où? Attends, là, il y a une autre entrée. Oh là là, là, on est dans les conduits d'aération de l'école. Tu sais que là, si on se fait choper par un professeur, on est renvoyé de l'école. On va en prison de l'école, carrément. Ah non, j'ai pas du tout envie d'aller dans la prison de l'école, frérot. Heureusement, pour moi, il y a personne. On est ici à la piscine. Eh, j'adore cet endroit, mais ouais, mais je te jure, c'est quoi cette école de fou? Je suis limite en train de me demander si on n'est pas en vacances, là.
Attends, tu vois ce que je vois? Il y a un trou dans le fond de la piscine. Là, c'est quoi ça? C'est vrai que ça a l'air un petit peu bizarre. Le petit souci, c'est qu'elle est complètement pleine. Ouais, à mon avis, faut prendre de l'élan. Aïe. Ah, attends, j'ai trouvé une valve ici. Peut-être que je vais réussir à retirer de l'eau. Ça fonctionnait pas très bien, ça. C'est très compliqué. Ah! Oh, j'ai failli réussir à rentrer. Attends, j'avoue que c'est chaud. Il y a les petits sièges des maîtres nageurs. Gros, c'est trop stylé. Oh, regarde derrière toi. Derrière toi, oh. Regarde. Oh, attends, tu vis de la piscine. Oh, ouais. Mais c'est incroyable, ça. Et du coup... Non! Ah, du coup, bien. Ah, il s'est raté. Bon, vas-y, moi je continue à m'échapper, hein. Tu m'en voudras pas. Attends. Mais non, attends-moi, frère. Comment ça, l'eau, elle s'est retirée comme ça directement? Franchement, ça fout trop le seum. Attends, j'arrive. Et hop là, voilà tout. Ok, là j'ai l'impression qu'on est, regarde, dans le petit bureau du directeur. Oh, vas-y, t'oses rentrer ou pas? Non, franchement, elle me fait trop peur cette pièce. Vas-y, bon, rentre. Il faut quand même rentrer d'ici. Il faut trouver une clé, Kefko. Oh là là, là c'est okay, le bureau. C'est bon, le directeur est pas là. Il est pas là? Oh, oh yeah, yeah. S'il aurait été là, je te jure que je serais parti en courant à 100 km/h. C'est sûr, il cache des trucs dans son bureau. Ok, oh. C'est bon, j'ai trouvé la clé, frérot. S'il avait été là, ça aurait été carrément la mortadelle. Moi, je te le dis, hein. On va pouvoir sortir d'ici. Mais par contre, il y a carrément le PC du directeur. Imagine, on peut changer nos bulletins. Enfin, on peut se mettre des superbes notes, ça serait incroyable. Eh gros, je préfère pas risquer, hein. Moi j'ai pas du tout envie d'aller dans la prison de l'école, hein. Moi je te le dis, hein. J'avoue que je préfère m'échapper, mais elle est vraiment énorme cette école. C'est une école XXL là, Jean-Fils, regarde-moi ça. Il y a un terrain de foot juste là. Oh, ça me donne trop envie de jouer, frérot. Ouais, mais surtout, il y a une cible en haut à droite. C'est sûr qu'on doit lancer, je sais pas moi, une canette ou un délire comme ça dessus. Mec, j'ai une canette, ça tombe bien. Vas-y, frérot, lance, regarde. Lance là-bas. Hop. Allez, oh. Oh, c'est incroyable. Oh, regarde, il y a des jeux ici qu'on pouvait faire quand on était petit. Ah ouais, c'est la marelle, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là, t'es en train de me fumer. 7, 8, 9, let's go. Oh, je suis plus fort que toi, Kefko. Imagine, ça nous aurait permis de s'échapper de l'école. J'y ai cru pendant un petit moment. Je me suis dit à tout moment, c'est possible. Il nous faut une banane et une pomme, frérot. Ouh, attends, est-ce que t'as pas ça dans ta collation, frérot? Ah, j'ai pas réussi à passer par-dessus. Alors j'ai ni de pomme ni de banane. Oh. Ah, j'ai trouvé une pomme, elle est dans l'arbre. Là il y a la banane. J'ai trouvé la banane. Ah la ouais. Pomme, où est-ce qu'elle est? T'as dit? Ouhou. Oh. Le terrain de foot. Bah je fous, vas-y. Celui qui marque c'est le plus fort à Fortnite. Ok. Pas de problème. Wow, okay, les gars. Il m'a mis un dribble. Team Jean-Fils, dans les commentaires. Team Jean-Fils. Attention, Kefko, t'es mort. Vas-y, non. Dites directement pour quel team vous êtes dans les commentaires. Dis, je vais essayer de marquer. Non, ça va pas passer. C'est chaud. Wesh! Allez, match de foot le plus intense! Non! Non! Oh, c'est Jean-Fils le meilleur, les gars! Ah, bien joué! Allez! Oh, pas là, vas-y, moi je marque aussi! Non, vas-y, il faut passer au prochain niveau. La porte elle est verrouillée. Comment on va faire, Kefko? Ah, je t'avoue que je pensais qu'en marquant un goal, ça allait nous la déverrouiller. Mais j'ai pas l'impression ça. Oh, y'a un bouton ici. Et voilà! Ah, t'as trouvé un truc? Je suis peut-être pas le meilleur au foot, mais par contre, c'est moi qui va nous sortir de cette école. Ok, ici on a un terrain de basket, Kefko. Ça tombe bien, regarde. J'ai un ballon de basket. Attention, ouais, est-ce que je vais réussir à mettre un goal ou pas? Mais moi j'ai pas le ballon de basket, les gars, j'ai absolument rien. Ah, oh, je suis dégoûté. Attends, mais ça marche pas. Vas-y, mets le panier. Mets le panier, je pense que ça va ouvrir la porte. Mais gros, ça marche pas, frère. Allez. Ah, frérot, t'es plus fort au foot, hein. C'est bizarre quand même. Attends, y'a pas moyen de. Oh. Oh, t'as vu ça? Je t'ai sauté par-dessus, mais attends. C'était super bon, les gars. Ah si, maintenant ça c'est fait. On est. Et attends, ça me fait penser à quelque chose. Ça te fait penser à quoi, Kefko, cet endroit? Bah une place de jeu classique, quoi. Ah d'accord. Ça me fait clairement penser à Squid Game avec l'épreuve du biscuit. Ah ouais, j'avoue. Eh franchement, j'ai pas pensé directement, mais maintenant que tu le dis, ça ressemble vraiment énormément. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Regarde, ici. Hop là. Attends, on va pouvoir rentrer dans la salle de jeu juste ici. Bam. Ok. Et par contre, heureusement que pour l'instant, il n'y a pas de surveillant de l'école. Sinon, je pense vraiment qu'on aurait de sérieux problèmes. Et heureusement, on va rien saccager. Oh, il y a la prochaine pièce juste ici, mais je peux pas rentrer. C'est bizarre, ça. Mais non, il faut prendre là le petit wagonnet. Oh, et il faut du maïs. Est-ce que t'as du maïs sur toi? Pas du tout. Est-ce que t'en as pas, toi, dans ta poche? Non, peut-être la prof, je sais pas, dans le tiroir. Bon, là, l'école, frérot, c'est quoi, ça? C'est...
C'est la maternelle, là, ils ont quel âge dans cette école, c'est pour les bébés. J'avoue, là, c'est la classe de maternelle. Mais t'es sûr, t'arrives pas à trouver le grain de maïs? En même temps, un grain de maïs, c'est méga petit, mec. Ah, en vrai, c'est jaune, et regarde, il y a plein d'objets jaunes, c'est sûr, c'est pour nous induire en erreur. Mais j'arrive pas à le trouver du tout, là. Oh, attends, il y a un truc, là, il y a un truc qui brille. Ah, là, t'as trouvé le grain de maïs? Bon, ok, bon, bien joué. Vas-y, du coup, vas-y, active. Oh, hey, trop bien. Reste en moi. Wesh, ok, oh, c'est t'as bon. Pu venir quand même. Eh, hey, par contre, je suis bien dans mon petit wagon, c'était trop stylé. Attends, mais on est encore dans une autre classe de maternelle. Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant, Kev? Oh, regarde, il y a un trou dans le plafond. Ah ouais, mais attends, t'as vraiment l'œil. Pourquoi déjà, pourquoi ils ont des plafonds autant hauts dans cette classe? C'est très bizarre. Pourtant, c'est pour des enfants. Ouais, honnêtement, je sais pas. Oh, je pense avoir trouvé, Kevko. J'ai trouvé ici des ballons. Et je vais pouvoir utiliser ces ballons pour monter. Mais attends, laisse-moi dessus. J'ai pas non, de ballon. Non, non, je te laisse derrière, Kevko. Allez, ciao. Ok, c'est bon, il y a de nouveau un petit paquet. Je vais pas remonter ici. Allez, on monte, on monte, on monte. Oh, je suis trop lourd. Je suis trop lourd. Ah, aïe, aïe, aïe. Il s'agirait de faire du sport, hein, Kevko, je pense, hein. J'avoue que là, j'ai trop mangé. Mais c'est bon, j'ai réussi. Wesh, t'as fait quoi, là? Rien. T'as rien. Fait quoi là? J'ai fait quoi? Je sais pas. Je sais pas, mec. Mais attends, c'est une dinguerie. Comment t'as trouvé ce passage secret? Mec, je suis juste trop fort en escape game, mec, tout simplement. Et moi, je trouve que l'école, elle a quand même des passages secrets de fou furieux. Je me demande un petit peu ce qu'elle cache quand même. Kevko, ça va de ton côté ou pas? Bah attends, j'ai. Oh, mais attends-moi, frérot, c'est quoi ce camarade de classe là? Hey frérot, je suis plus fort que toi en escape game, c'est une dinguerie, j'arrive à trouver les solutions méga rapidement. Ok, vas-y, tu veux faire la course? On va faire la course, pas de soucis. Dis-moi juste où est la pomme. Je te dirai pas où est la pomme. Oh ok, j'ai trouvé quelque chose ici. Ah ouais, tu vas voir. Ok, ça fait plaisir. Tu vas voir, je vais te fumer. T'as trouvé quoi? Toi tu vas me fumer. T'as trouvé quoi? Vas-y, fais seulement la solution, moi j'attends à la porte de sortie. Gros, il y a un truc là-bas, c'est au self. Où ça? Il y a une canette que tu dois récupérer au self, mec. Elle est où? Ah, il a essayé de m'arnaquer. Non. Non, j'ai trop le seum. Viens ici que je te frappe, là. Oh. Oh. What? Oh. Allez. Attends, mais go, 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 go. Oh, par contre, j'ai trouvé en 2 secondes, là. Attends, tu sais qu'il a qu'il nous reste 8 niveaux, Kevko. On a bientôt fini de s'échapper de cette prison. Moi, j'appelle encore, ça une prison. Encore 8 niveaux. Ouais, moi, j'appelle pas ça une prison, mec. C'est carrément un palais de luxe. Oh, jouer de la musique. Un palais de luxe. C'est surtout une école, frère. Ouais, mais mec, elle est incroyable, leur école. Je suis désolé, nous, notre école, elle ressemblait pas à ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Genre, gros, ça ouvre la porte, ça. J'ai dansé et ça a dansé la porte. Voilà. D'accord. Bon, là, il y a pas mal de petites peintures. En vrai, on commence à connaître les escape games. C'est sûr qu'il faut passer à travers, Jean-Fils. Là, on est dans la classe d'art plastique. J'adore. Moi, j'étais inscrit dans cette option et franchement, je kiffe. Hein. Ah ouais, alors moi, je t'avoue que pas du tout. J'étais éclaté. Oh. Okay, j'ai trouvé quelque chose là. Hop là. Il y avait quoi? J'ai trouvé quelque chose. C'est quoi? Hop là. Oh, comment tu te transformes, attends? Ok, bon, j'ai trouvé aussi. Mais frérot, tu m'aides pas du tout là, c'est abusé. Hein. Allez, bam. Allez, viens, Kevko, on va changer d'étage, c'est parti, on va dans l'ascenseur. Eh, franchement, ça se passe bien pour le moment, t'en penses quoi, Kevko? Bah, ça se passe bien, mais je trouve que parfois, tu m'aides pas trop, t'essaies de t'échapper sans moi. Ouais, château, c'est quoi cet endroit de fou, là? Oh là là, on est carrément dans le sous-sol de l'école, Kevko, c'est une dinguerie. Ok, attends, il y a du jump ici à faire. Ouais. Mais moi, je t'ai clairement dit qu'il cache quelque chose, cette école, hein. Moi, je suis sûr que c'est pas une école normale, Jean-Fils. Ah ouais, vraiment, frérot, on va essayer d'investiguer sur cette histoire parce que franchement, ça m'intrigue de fou, hein. Ah, déjà, regarde-moi juste dans le décor où on est, c'est clair qu'il cache quelque chose. Mec, il y a quelque chose de pas normal, là, regarde le liquide qui est en dessous. J'avoue que c'est horrible, mais viens ici, il y a des planeurs que tu dois récupérer. Faut pas tomber dans le mucus, hein, sinon tu décèdes. Et là, je pense qu'il faut rentrer dans les trous. Ok, ah ouais, nice. Ok, planeur, comment tu utilises le planeur? Ouais, je m'arrête. Bah, tu l'actives dans les airs. Oh, franchement, là, c'est incroyable. Oh, c'est bon, c'est bon. Wow, vas-y, vas-y. Oh, ça va, hein. Ok. C'était un peu chaud. Oh, mais alors, en fait, c'est vraiment du jump, hein. Heureusement que je suis un pro du Death Runner Challenge sur Fortnite, mais... Tu penses pas, il y a un petit passage secret peut-être qui est caché en endroit? Moi, je pense pas. Tu sais quoi? Moi, j'ai envie de terminer cette map avant toi, Kevko. Donc moi, je vais tryhard un maximum ce Death Run pour finir cette vidéo. Attends, quoi? Genre là, c'est devenu une course d'un coup. Quand t'as plus besoin de moi pour t'échapper des pièces, tu veux faire des courses. Okay, mec, t'inquiète, j'ai plus besoin de toi, mec, c'est bon. On voit les vrais camarades, les gars. On voit les vrais camarades, t'inquiète pas que je vais te fumer la tronche. Ok, les gars,
Vous avez entendu, il y a Kefko qui a carrément dit qu'il allait me fumer ma tronche. Mais tu vas rien faire, nanani nanay. Vas-y, vas-y, on va voir, on va voir. Oh là là, je suis pas très fort en jump, les gars. Ça peut poser des problèmes, ça. Ok, donc là, il y a des trucs à éviter, faut faire attention. Parce que là, les bûches comme ça, ça risque de faire très très mal. Ok, okay, on avance bien. Tac. Ok. Non, fils, j'arrive. Oh, tu vas voir. Oh, allez, let's go, il est derrière moi, frère. Oh ouais, mais en plus, c'est tellement loin. Non, c'est abusé, là. Wesh, wesh, wesh. C'est quoi cette dinguerie? Ok, Kefko, ça se passe de ton côté ou pas là? Est-ce que je suis honnête ou pas et je te dis que non? Vas-y, moi, le dernier niveau. Mais c'est trop dur. C'est une dinguerie. Ok, vas-y, les gars, j'avance, j'avance. Oh là 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 là, c'est quoi cet endroit avec des bûches? Et vraiment, c'est trop bizarre. Ok, j'avance bien. Oh, la bûche. Jean-Fils, je sais pas où tu es. Oh, c'est quoi ça? Oh là 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 là. Jean-Fils, je suis en train de te rattraper là, par contre, je sais pas où tu es. Oh, ok, je suis en train de monter tranquillement. Oh, j'arrive. Non, c'est pas vrai, les gars, il est juste là, mais je vais péter mon crâne, les gars. Kefko, ici, il y a un bus, mais il nous faut de l'or pour pouvoir le faire avancer. Mais où est-ce que tu veux trouver de l'or ici? Oh, attends. De l'or, tu crois vraiment que c'est le dernier niveau là? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le bus pour s'échapper de cette école. Okay, par contre, je sais pas où c'est. Ok, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi? J'ai trouvé! Y'a un lingot d'or juste ici! Oh oui, vas-y! Bon, tu sais quoi, Jean-Fils? On s'échappe ensemble! Oh là là, t'as géré! Wesh! Oh, je me suis fait éjecter! Ok, ça c'est une dinguerie! Let's go! Oh, j'active le bus! C'est bon! Let's go! On va pouvoir s'échapper de cette crypto! C'est parti! À nous les grandes vacances! Oh là là, franchement, c'était incroyable! J'espère que t'as kiffé cette vidéo! Mets ton gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, le code créateur PGE sur Fortnite, ne l'oublie pas! Régale-toi avec mes autres vidéos juste ici! Et moi les BG, je vous souhaite une bonne journée! Allez, ciao!